L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Jean-Loup Amsel, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes anthropologue, spécialiste notamment du Mali, directeur d'études à l'EHESS. Vos travaux portent sur les questions de métissage, d'ethnicité, de multiculturalisme. Vous signez avec le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne cet ouvrage « En quête d'Afrique » aux éditions Albin Michel, un essai sous forme de débat entre vous, débat parfois vif, on y reviendra, qui aborde plusieurs questions centrales dans les rapports entre l'Afrique et l'Occident. D'abord, Jean-Loup Amsel, une question. Cet ouvrage s'appelle « En quête d'Afrique ». Le S est entre parenthèses. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une divergence entre nous, entre Souleymane Bachir Diagne et moi-même, au sujet de l'Afrique. Moi, je pense qu'il y a plusieurs Afriques. Lui, il pense qu'il y en a une. Et il le manifeste sous l'expression, avec à travers l'expression d'ailleurs d'un désir d'Afrique d'un désir qui concerne l'ensemble de l'Afrique, un désir panafricain. Désirer l'Afrique, c'est vouloir faire de l'unité dans le pluralisme. Dites-vous. De l'unité dans le pluralisme. Alors moi, je pense que l'unité de l'Afrique, c'est un beau slogan, un beau mot d'ordre, et un désir tout à fait légitime. En même temps, moi, je pense qu'il y a quand même une certaine volonté d'essentialiser ce continent. C'est comme si moi, je disais, c'est comme si je voulais exprimer un désir d'Europe, enfin, je veux dire, ou un désir de France. Je pense que il ne faut pas axer les choses sur les problématiques de l'identité qui sont funestes. On peut le voir, et notamment en Afrique, avec par exemple la question de l'ivoirité qui a fait beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Mais ça, on peut le constater aussi sur d'autres continents avec le mouvement des Rohingyas qui a été durement réprimé en Birmanie ou au Myanmar, ou bien les musulmans qui sont opprimés en Inde. Je pense qu'il y a en ce moment prolifération de mouvements ethno-différentialistes sur toute la surface de la planète, et qu'il faut plutôt s'abstenir de ce genre de... Il y a plusieurs Afriques, il y a plusieurs dizaines de pays en Afrique, et je pense qu'il faut se concentrer sur chaque pays. C'est un de nos motifs de divergence, Souleymane Bachir Diagne et moi-même. Vous écrivez à ce propos, je vous cite, « L'Afrique est une invention coloniale, à la fois le produit d'un regard extérieur, parcellisé par les colons et les ethnologues, et en même temps celui du souci de l'unité. En quoi ça n'est pas paradoxal ?» Alors, je crois que... Alors, effectivement, l'Afrique est une invention coloniale, en quelque sorte. C'est le résultat de la circumnavigation, de la navigation qui a été entreprise par les Portugais au XVIe siècle, Vasco de Gama, etc., qui ont délimité l'Afrique telle qu'on la connaît actuellement. Auparavant, l'Afrique, c'était l'Afrique romaine, du Maroc à la Libye, puis ensuite c'est devenu l'Ifriqiya, qui correspond à la Tunisie actuelle. Mais l'Afrique comme continent, c'est une invention coloniale qui a été à la fois pensée comme un tout, mais en même temps qui a été parcellisée en plusieurs centaines d'ethnies par l'ethnologie coloniale. Et effectivement, il y a cette double tension, à la fois tendant vers l'unité et puis la diversité africaine. Les partisans de l'Afrique au singulier seraient des utopies, les défenseurs de l'Union africaine, notamment, dont on connaît les difficultés. Je pense que c'est une utopie, et je ne pense pas que ça soit une utopie positive. Enfin, je pense que ça vise à masquer aussi les contradictions qui existent à l'intérieur de chaque pays africain et la nature profondément dictatoriale de beaucoup de régimes africains. Je pense qu'il faut se pencher sur chaque pays africain et voir quels sont les structures oppressives qui existent dans chacun de ces pays. Dans certains d'entre eux. Votre réflexion part d'une date importante, 1955, Bandung en Indonésie, la conférence des non-alignés, la condamnation par une trentaine de pays africains et asiatiques de la colonisation et de l'impérialisme. 70 ans après, est-ce qu'on vit dans un monde décolonisé ? Je ne pense pas qu'on vive dans un monde décolonisé. Il y a toujours des structures oppressives qui existent entre l'Occident, et pas seulement entre l'Occident, mais aussi la Chine, il y a aussi le Japon qui pille l'Afrique. Je pense qu'il faut aussi voir que les anciennes puissances coloniales ne sont plus les seules à intervenir de façon inégalitaire en Afrique, et que la Chine aussi, ou d'autres puissances... Elles ne participent pas, d'une certaine façon, au développement économique du continent ? Je ne sais pas si l'Afrique... Il y a certaines régions ou certains pays au sein du continent africain qui se développent, mais on ne peut pas dire que l'Afrique dans l'ensemble se développe. La notion de développement est quelque chose d'ailleurs d'assez flou. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des... Par exemple, il y a quelque chose qui est tout à fait quand même
inégalitaire et oppresseur en Afrique, par exemple, c'est le franc CFA, dont on discute depuis un certain temps. Mais je suis... Alors, est-ce que ça freine le développement des pays francophones, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une structure qui fait l'objet d'un débat depuis longtemps. Est-ce que les choses, en tout cas, entre les anciennes puissances coloniales et l'Afrique côté occidental ne sont pas un peu en train de changer? On se rappelle du discours de Ouagadougou d'Emmanuel Macron, des gestes qu'il a fait notamment à propos de la guerre d'Algérie, de ses propos qui avaient fait beaucoup parler, du geste qu'il a fait envers les descendants de Maurice Audin, la promesse de la France de rendre à certains pays africains une partie des œuvres d'art qui ont été pillé. Est-ce qu'il n'y a pas une page qui est en train de se tourner? Oui, c'est vrai ce que vous dites est tout à fait juste, mais d'un autre côté, il y a quand même les interventions militaires de la France en Afrique, enfin notamment au Sahel, notamment au Mali, qui est un pays que je connais bien. Et là, quand même, on est dans la filiation de la France-Afrique, on n'est pas du tout dans une redéfinition des rapports entre la France. D'ailleurs, intervention militaire qui est censée aider ces pays à monter plus tard, je vous vois sourire, la force du G5 Sahel pour lutter, pour prendre le relais ensuite et lutter à leur tour contre le terrorisme dans cette région du Sahel. Pour aider les pays africains à lutter eux-mêmes. Je pense qu'ils ne sont pas capables de lutter eux-mêmes. Les armées africaines ne sont pas capables de venir à bout du djihadisme. Alors la participation française là est importante Oui, mais ça maintient, si vous voulez, je crois que ça ne résoudra pas, parce qu'en fait, bon, le djihadisme, c'est aussi quelque chose qui s'explique par des raisons économiques et sociales dans chacun des pays du Sahel. Et donc, je ne pense pas que les interventions militaires en elles-mêmes pourront venir à bout des problèmes économiques et sociaux qui sont à la racine de ces soulèvements djihadistes. À propos d'islam, autre question source de désaccord. Diane est un soufi, oui. C'est la version mystique d'un islam pacifique et ouvert qui s'opposerait à un islam plus ferme. En tout cas, c'est ce que pensent certains du nord du continent africain. Vous dites que c'est plus compliqué que ça? Je pense qu'il y a une instrumentalisation de l'islam soufi ouest-africain qui est utilisée par les grandes puissances comme les États-Unis, la France et le Maroc aussi. Pour contrer, y compris au Maroc même d'ailleurs, pour contrer l'essor d'un islam jugé plus radical, plus intolérant, voire salafiste, djihadiste, etc. Donc on ne peut pas, mettre en avant l'islam soufi en tant que tel. Il faut voir aussi comment il est utilisé politiquement. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que de l'autre côté, du côté wahhabite ou salafiste, etc., il y a des wahhabites et des salafistes qui sont quiets, qui ne sont pas des musulmans violents. Et inversement, il y a des soufis qui le sont, violents. Donc c'est plus compliqué que ça, voilà. Dans ce rapport entre l'Afrique et l'Occident, vous dénoncez aussi une logique racialiste, je vous cite, dans laquelle chaque communauté aurait vocation à se représenter elle-même et seulement elle-même. Inversement, ce groupe aurait le droit de dénier à l'autre le droit de se représenter. Vous prenez votre propre exemple. Combien de fois, dites-vous, j'ai entendu de mes interlocuteurs maliens la phrase selon laquelle « je ne comprendrai jamais rien » à l'Afrique? Oui, alors il y a une essentialisation, si vous voulez, réciproque des Africains et des Occidentaux, puisque effectivement, il y a une essentialisation qui est effectuée par les Européens à l'égard des Africains. Le discours de Sarkozy à Dakar, par exemple, l'Africain au singulier n'est pas encore entré dans l'histoire. Et il y a une essentialisation réciproque des Africains à l'égard des Européens, qui ne sont pas considérés comme des individus, mais qui sont considérés comme appartenant à un collectif. Par exemple, on se fait traiter de toubab, ce qui fait que l'individualité même est niée. Hein. On est englobé dans la catégorie de toubab. Mais après tout, c'est aussi le résultat d'une situation de domination de l'Occident à l'égard de l'Afrique. La mise à distance de l'autre, c'est ce qui met en péril l'universalisme? Oui, je crois qu'il faut... Souleymane Bachir Diagne est un philosophe de la différence, comme d'autres philosophes. Moi, je pense qu'il faut penser, je pense qu'il faut appréhender les ressemblances et les communs entre différentes cultures. Par exemple, on peut trouver des choses communes entre les cultures africaines et la culture européenne ou la culture occidentale. Et moi, personnellement, je suis plutôt à la recherche des similarités ou des communs ou des ressemblances entre les différentes cultures plutôt que sur les différences. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut sortir des malentendus qui existent entre l'Afrique
et l'Occident. Pourquoi avoir fait ce livre qui est un échange épistolaire, enfin mailistique, entre vous deux sous forme de débat? Vous êtes en désaccord sur de nombreuses questions. C'est assez rare de lire des livres où deux intellectuels échangent assez frontalement sur des sujets aussi compliqués. Ben, je l'avais critiqué dans un ouvrage précédent, L'Occident décroché, enquête sur les postcolonialismes. Entre autres, puisque ça portait sur l'Afrique, sur l'Amérique latine et sur l'Asie. Et en fait, Souleymane Bachir-Diagne est un homme de dialogue. Il s'est senti un peu meurtri par ce que je disais de lui, mais il a voulu continuer à dialoguer. Il a voulu plutôt dialoguer avec moi. Et c'est pour ça que c'est comme ça que ça a donné lieu à ce livre où on a échangé en manifestant nos différences. On est en désaccord sur beaucoup de points, sur la plupart, mais on s'est aussi retrouvé sur d'autres, et on ne s'est pas brouillé à la suite de la rédaction de ce livre. On reste en contact. Enquête d'Afrique, donc, chez Albin Michel. Merci beaucoup, Jean-Loup Hamsa, d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct, Universalisme et pensée décoloniale, donc écrit avec Souleymane Bachir-Diagne, qui est aux États-Unis, professeur à Columbia, et avec qui vous continuez à échanger. Belle journée à vous. Merci. L'info continue.